On a traversé une période mars-avril là, difficile. Hein. J'ai pas les raisons exactes, quoi, même si on sait que voilà, on s'est probablement dispersé, déconcentré. Peut-être, voilà. Mais en tous les cas, elle a été salutaire cette période. Parce que dans la foulée, on a été capable de faire des. Voilà, on s'est resserré, on s'est remis en cause tous, le staff, les joueurs. On a été capable voilà, d'aller chercher des choses différemment. Il y a eu ces 15 jours de préparation du match de Toulon qui ont été très bonnes. On a fait un stage à Saint-Lary excellent, où on a pu partager, on a pu échanger, parler de Toulon, mais pas trop, surtout parler de nous. Et après, la semaine de Toulon a été très bonne. On était prêts, quoi. On a fait un match voilà, solide qui représente assez bien ce que je veux et ce que je voudrais de l'équipe du Castres Olympique, à savoir solide, avec du lien, capable de, voilà, de bien jouer sous pression, avoir une vraie relation de voilà, d'homme, quoi. Et je crois que sur ce match, c'est un peu le point d'orgue de notre saison. Alors c'est vrai qu'on aurait tellement voulu aller à Marseille pour continuer l'aventure, pour notre public. Bon voilà, ça s'est pas joué à grand-chose. Encore une fois, autant l'année dernière après le barrage, j'étais déçu, frustré parce qu'on n'avait pas été à la hauteur. Autant là, je crois qu'on est très fier de ce qu'on a fait. J'ai senti vraiment une vraie passion derrière son équipe. Et je crois que la grande force aujourd'hui de notre relation équipe sportive et notre public, c'est que je pense que les gens se retrouvent dans ce que font les joueurs. À savoir mouiller le maillot, bien se comporter, être des gens simples. J'aime les gens comme ça. Et aujourd'hui, voilà, je veux féliciter encore nos supporters parce que tout au long de la saison, même dans les moments difficiles, je pense après Lyon, après La Rochelle, ils ont été toujours derrière nous et ils nous ont poussés, ils nous ont aidés. Donc voilà, maintenant, il faut, voilà, il faudra, ça donne envie d'y retourner, mais c'est pas simple. Retourner dans le top 6, dans un championnat aussi difficile, c'est, voilà, c'est, je vais pas dire que c'est un exploit, mais c'est une grande performance, quoi.